Vous êtes en tas déjà. À... Vous pouvez partager le direct. J'aime pas les publicités de YouTube. Avant de commencer le direct, je prends le petit téléphone là, excusez-moi. Mais non, c'est quoi le bête Passer sur mon snap. Le son sonne trop. Je pense que je vais juste m'enlever. Il se fait tard. Je mets le son si je parle en même temps. Ça va faire tout. Déjà, avant de commencer, avant de commencer le direct, je vous avais proposé quelque chose hier pour ceux de ma communauté, c'est-à-dire que vous qui me suivez, vous qui m'encouragez, vous qui m'aimez, vous qui m'apportez votre soutien à tout moment. Voilà, je vous ai demandé pour les t-shirts Airfat. Normalement, c'est disponible lundi sur le site. Normalement, c'est disponible lundi sur le site. Mais je sais que ce n'est pas tout le monde qui a une carte de crédit en France ici. Quand je dis ça, vous savez de quoi je parle. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens même qui ont des cartes de crédit, mais qui ne savent pas l'utiliser. Qui ne savent pas l'utiliser ou qui ont peur de mettre leur cas de crédit sur des sites parce qu'ils euh, se disent que voilà, ils vont les anarquer. ben c'est normal. Moi, je, je décide de prendre une bonne quantité de t-shirts parce que le 12, c'est dans quelques semaines. Voilà. Je prends une bonne quantité de t-shirts fats numéroté, certifié. Voilà. Mais ça sera sur commande. Je ne veux pas m'investir à prendre des t-shirts comme ça. Ça sera sur commande. Donc là, j'ai en face de moi une feuille dont je vais mettre le nom et la commande de chacun d'entre vous. Donc le numéro, il faut appeler là. Seulement, là, je vais épingler ça d'abord. Prenez place, hein <laughs> C'est lourd. C'est lourd. Non, non, c'est pas ça que je. C'est quoi, je suis allée. C'est ce numéro-là qu'il faut appeler pour passer vos, vos, vos commandes ou même euh, un, deux, trois t-shirts. J'ai besoin de 100 personnes. Je ne peux prendre que 100 personnes. Parce que je ne peux pas aller au-delà. C'est une faveur même que je suis en train d'essayer de, de plaider avec les ambassadeurs de AirFat. Donc, pour... pour euh, vous... Euh, pour ma communauté, en fait. Donc, je ne peux prendre que 100 t-shirts. Un t-shirt à 21,50 euros. Donc, si tu es intéressé pour le t-shirt... Parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont appelé parce que j'ai parlé de ça ils pensent que, ils ont pensé que c'est moi qui vend donc tellement de personnes tellement de personnes m'ont appelé pour les t-shirts donc j'ai décidé de le faire ici. Voilà, moi je vais prendre la responsabilité. Je ils vont me passer des ils vont me ils vont fabriquer les t-shirts là pour nous. Voilà, pour moi, pour ma communauté les 100 t-shirts qu'ils peuvent faire sortir parce que c'est édition illimitée. Donc euh, ils peuvent pas sortir peuvent pas sortir plus que ça. Je sais que j'ai plus de 100 personnes sur ma page. Mais désolé, je ne peux pas faire plaisir à tous mes 51 000 abonnés que j'ai. Voilà. Donc, je vais faire plaisir à 100 personnes. Et les autres, vous pouvez voir sur la page. Vous pouvez aller sur, la, sur le, le site pour payer vos t-shirts. Voilà. Donc, le, les sites en question... Attends. Les... Ne m'écrivez pas de messages hein, parce que je n'aurai pas ma tête là à venir lire des messages pour les t-shirts. Voilà, soyons sérieux. Je vous ai dit, appelez. Et puis, parce que je reçois des messages, je ne peux pas. Je n'aurai pas la tête à venir lire les messages, lire les messages. Non. Donc, tu veux ton t-shirt, tu appelles, tu donnes ton nom et prénom. Voilà, tu fais, tu me fais mon PayPal ou euh, Ria Money ou... Euh, voilà, tu cherches à faire un virement pour commander ton t-shirt. Je prends le premier appel. Allô Oui D'accord, vous voulez comme un t-shirt Le nom, le prénom. Et puis il faut payer d'avance. Demain matin, on prend ton nom, je valide ta commande. Ça a coupé. Allô D'accord, désolé. Pardon Non, mais je me suis au parleur pour que tout le monde sache quoi, en fait. Parce que c'est pas un truc en secret, quoi. Il faut que tout soit clair. Donc, combien de t-shirts vous voulez Un t-shirt, le, le nom, si vous voulez, vous m'envoyez le nom par message. Mais je marque un t-shirt, il n'y a pas de souci. Si vous ne voulez pas donner votre nom, il n'y a pas de souci. Mais vous, j'ai marqué un t-shirt. Ben, je peux dire quel numéro Numéro B ou... Euh, je ne sais pas attendre B. Non, on va commencer par A. A. Allô Oui, allô Pardon? Oui, bonjour. C'est pour les t-shirts et le direct d'Aya. Pardon Ah, c'est le direct Oui, c'est le direct d'Aya. Vous voulez combien de t-shirts Deux, Deux Oui. Donc, ok. Le nom, vous pouvez m'envoyer votre nom par message si vous ne voulez pas de nom direct. Oui. Et c'est quelle taille L'autre dame, elle a raccroché. Elle n'a même pas. Euh, quand vous appelez, laissez on vous. vous c'est quelle, quelle taille Quelle taille M et L. 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 Oui. D'accord, c'est bon. Deux. Le bah, bon, nom par téléphone et puis euh, pour la paix, paye, vous payez par Paypal ou vous payez euh, Ria ou on se RIA. croise. En Ria. Oui. En RIA voilà. Mm -hmm. Donc, les deux t-shirts, c'est 21,50 euros. Donc, pour ma communauté, pour, pour vous, je fais à 20 euros. Voilà, je, je fais à 20 euros. Le reste, c'est moi qui les rajoute. Voilà. Okay. Donc, ça fait 40 euros. D okay. Merci. Merci. Fille, rien. Hum, la première qui a appelé là. Tu n'as pas donné ta taille. bon oh, tu as coupé. Un t-shirt, c'est de... Is, S. Okay. Sans ta taille, là, je ne peux pas. Tout compte fait, après, le direct, vous pouvez appeler. Ceux qui vont prendre ça en division, là vous pouvez appeler le numéro. Euh, je sens... hum. Donc, les tailles sont de... Attends. Les tailles, les tailles, les tailles, les tailles détails euh, de ISS à ISL. 21 euros. Et puis... Euh, voilà, 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 voilà. Ça sera disponible du coup vendredi. On va commencer le direct pendant que d'autres personnes vont appeler. Alors, je vous ai convoqué ce soir. Je vous demande de, de partager le live de partager le direct parce que c'est très très important, OK Vous savez, certains parmi vous vont me dire que ah ya non, tu 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 veux quoi de enfin tu, Poukamen, t'as fait quoi? Maman Tina, t'as fait quoi? Aïa, tu n'es pas parenté à Rafat. Aïa, c'est pas ton papa qui a Aïe, est à Rafat. Aïa, c'est pas ta maman qui a Aïe, est à Rafat. Aïa, c'est pas toi qui as couché à Rafat. Aïa, c'est pas ton mari qui est à Rafat. Aïa, tu n'as pas fait enfant avec Rafat. Tout ça, je sais. Je ne suis rien pour mon ange Didier. Voilà. Je ne suis rien pour lui. Je ne fais pas partie de sa famille. Ça c'est vous qui allez le dire. Mais moi personnellement, je sais que Didier Arafat, là, voilà, c'est plus que ma famille. Donc aujourd'hui, là, moi je suis sur la toile pour défendre l'image de Didier. 7 par moment, je me jette dans des bassesses. 7 par moment, je me jette dans des clashs à deux balles, dans des trucs, parce que j'ai envie de défendre. Souvent, euh, je ne vais pas me laisser faire. Voilà. Des gens se lèvent, ils me salissent, ils font des trucs, je ne vais pas me laisser faire. D'ailleurs, avant de commencer, je vais vous montrer un truc qui est simple, parce que moi, j'aime aller dans la vérité. J'ai vu que ma photo, cette photo-là, moi, j'aime aller dans la vérité. Vous me connaissez, moi, je suis pas dans les mensonges. Alors, cette photo-là. Voilà, cette photo-là, quelqu'un l'a capturé. Parce que je l'avais postée sur ma page. Et quelqu'un l'a capturé pour dire que... Euh, et puis, euh, 189 kilos de langue à poster. Et puis les gens ont commencé à dire que si c'était 2005 là. C'est que je suis... Je n'ai pas mon âge, c'est pas mon âge et tout. Bon, je vous explique. Cette photo-là, d'abord je vais vous dire, parce que je ne la retrouve plus dans mes publications, je ne sais pas. Mais je vais vous montrer un truc. Vous allez bien voir. Vous allez bien voir pour comprendre. Vous voyez la photo en question. Vous voyez que j'ai mis une chaîne. Vous voyez les cheveux qui sont sur ma tête. Vous voyez la chaîne qui est sur mon cou là. Vous voyez la cour. Regardez un peu la cour. Vous allez voir, il y a des fleurs derrière. De ce côté-là. Vous voyez les fleurs qui sont derrière là, non. J'espère que vous voyez, vous voyez la chaîne qui est sur mon cou et la coiffure. On va aller tout doucement parce que moi j'aime pas trop aller. Alors, vous voyez cette photo. Vous allez voir cette photo. Vous allez voir cette photo. Vous allez voir la même chaîne. Ça, j'étais plus proche de la fleur. C'est la même coiffure, mais j'ai attaché, parce que vous voyez les couleurs, j'ai attrapé à côté pour faire un tectonique. Donc, c'est la même coiffure. Et puis, c'est la même position même que j'ai fait dans la, dans, la, dans, le, dans la photo. Ça, c'était l'ancien Facebook de ma grande soeur. Et vous allez voir 17 juin 2014. Donc, ma photo là, elle date de 2014. Ma photo là, elle date de 2014. C'est le même jour que j'ai fait les deux photos. Et c'est une illettrée, une stupide fille que j'ai aidée. Parce que moi, c'est toujours comme ça, j'aide les gens, puis on me poignarde. C'est elle qui a pris mes photos, là, pour aller vous donner. Moi, je la regarde. Au oh, de penser aller aller apprendre à lire ABCD. Au oh, de penser à aller chercher à plutôt te faire pardonner par ton enfant. C'est que tu dors en rêve, ton enfant te poursuit. Ça ne te pas. Hein. Tu prends mes photos. Tu sais comment j'ai su que c'était toi, ma chérie? C'est le jour où l'autre faisait cette directe-là. Tu lui envoyais les photos. Quand elle montrait que ton nom, elle sortit, ça t'a trahi. Mais je ne suis pas venue te dire quoi que ce soit. Ma photo, je l'ai faite en 2014. C'était au Ghana. Je l'ai faite en 2014. Mais il y a Tata Dora qui dit qu'il dit qu n'augmente jamais son âge. Elle, son âge, là, elle diminue toujours. Donc c'est par rapport, à, et c'est pour rigoler même que j'ai mis la photo, j'ai dit 2006, 2005, pour faire parler les gens. Quand vous voyez ma photo, ça là, c'est 2005. Je l'ai fait ma photo en 2014. Et c'est le même jour, c'est la même coiffure. Donc 2005, là, vous n'allez pas me dire que 2005, en hein, 2014, là, je vais avoir la même chaîne là sur mon cou, je vais avoir la même coiffure sur ma, ma tête, dans la même course, C'est en 2014. Ma photo a été prise en 2014. Donc, si vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas d'arguments sur moi, avant de revenir à Carmen et puis tout, parce que vous n'avez pas d'argument sur moi. Voilà, vous n'avez pas de papot sur moi. Vous n'avez rien, vous ne connaissez rien de moi. C'est ce que vous savez là, c'est ce que moi-même j'ai déposé sur Facebook. là. C'est ce que vous savez. Mais moi là, je détiens des choses de vous. Je dépose des preuves sur toi. Je dépose des preuves sur toi. Parce que vous, vous allez voir, c'est la même coiffure. Vous voyez seulement que ici. Seulement que ici, ici, hein, et puis vous allez voir la cour derrière ici, parce que j'ai changé de place. Là, il est tiré, mais la cour est grande. En fait, là, c'était un hôtel où on habitait à car Donc, voilà, la cour est grande. Et puis même, même comment on appelle ça, même comment on appelle ça, voilà. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Et je me suis rapprochée plus pour faire. Vous avez vu que c'est la même position même. J'ai fait la même chaîne sur mon cou, les la même coiffure, mais seulement que j'ai attaché mes cheveux en haut. Regardez la date de la photo. Voilà, c'est 17 2014. Donc ce n'était pas en 2005. OK Vous êtes trop petit pour moi. Vous êtes trop petit pour moi. Vous êtes trop chelé. Moi, c'est ce qui a envie de vous. Vous êtes trop... Vous ne pouvez pas. Vous avez vu un peu, non, la photo, c'est pas en 2005. C'était en 2014. Vous comprenez un peu. Voilà, c'est en 2014. Donc, respirez. Voilà. Et puis 2014, j'étais toute petite fraîche. Voilà, toute petite fraîche. Une petite minette. Voilà, j'étais bien mince là. Elle de mon visage. Petite innocente. C'est toute fraîche. J'ai cassé mes pieds là. Bref, c'est pas, pas ça le sujet. Je suis fière, parce que c'est une photo de moi. C'est moi qui l'ai postée sur mon snap. J'ai pas honte de ça, c'est pour ça que j'ai posté sur mon snap. C'est vous qui avez honte de votre vie. Moi, je m'en fous. Vous, vous avez honte de votre vie. Moi, je n'ai pas honte de la mienne. On dit, tu vois qu'on a chacun ce que tu as vécu dans ton passé. Faut pas avoir honte de ça, parce que chacun de nous doit traverser ses moments. Voilà. Et moi, mon passé en 2014, je pensais à cette époque-là, j'étais trop sapée. À cette époque-là, il est déjà assez mal. Mais il y a d'autres à l'époque-là. Tu ne peux pas. Tiens, L'époque. On va faire très simple. On va faire très simple. Je pars mon temps, hein je pas de stress Je pars mon temps. Excusez-moi. Vous rentrez dans des trucs que moi, vous ne pouvez pas. Moi, c'est votre championne. Vous êtes des plaisantins, des plaisantines. C'est ça le vrai point. Moi, je suis votre championne. C'est le vrai point qu'elle a en fait. Je suis votre championne. Vous ne pouvez pas avec moi. Mais vous voulez forcer dans la chose. Pourtant, non. Non, tu peux pas forcer. Tu vois un peu. Non. Si euh... tu forces tu restes. Tu forces tu restes. À la même date là hein. c'est même 2014 là en plus je vais montrer ta poubelle de 2014 là alors je vais vous montrer regardez hein. 2014 attends 2014 vous voyez un peu le nom non voilà, je vais vous montrer maintenant la poubelle en 2014. Photo 2014, hein. vous avez vu la date. Vous avez vu la date. Maman. Poubelle de ça. 2014. Poubelle de ça. Eh. Hey! 2014. Neuf mois de quelqu'un. Seigneur, Seigneur, toi tu parles de moi, toi tu parles de moi, ta poubelle comme tu es sale, à ton corps, hey. oh putain, bref, je t'ai disante, à fond de trucs, je viens ce soir, je ne veux pas mélanger les choses, voilà, mais je voulais préciser, c'est juste préciser, puis on avance, je ne m'attarde pas sur cette poubelle-là. Je m'attarde pas sur elle. Voilà. Je ne m'attarde pas sur elle. Partagez-le. Tout est question de tête. Fâchez-vous, mes con. Non, non, ne vous inquiétez pas. Moi, quand je finis, je ne vais pas m'attarder à... à les bloquer. Je n'ai pas le temps, en fait. Je ne prends pas mon temps. Moi, je prends mon temps, pour mon direct. Après, je vous bloque. Votre tête de mots là, ça ne fait rien sur mon direct, en fait. Mais je vais vous bloque après, en fait. Bipez-moi, Kamen Yao. Et sa soi-disant belle, mais c'est pour eux ce direct. C'est pour eux se dire, parce qu'on ne peut pas faire ça l'homme. Quelqu'un qui tu as fait enfant, quelqu'un qui, qui a fait qu'on t'a connu, quelqu'un qui t'a enlevé dans ce que tu étais, pour te rendre grande aux yeux des gens. Parce que votre groupe, on connaît le modèle. Votre groupe, on connaît le modèle. C'est-à-dire qu'une son avec un gars, après, elle le laisse, le vient prendre le gars. Après, le gars, même, cest que c'est ce mougou de gars. Encore. C'est dans ça qu'il t'a trouvé. C'est dans ça là, il t'a soulevé pour venir te mettre dans sa relation. Tiens, il a creusé sa propre tombe. Déjà, il s'est mis dans tous les problèmes du monde. Tiens, où il est là, là, il a soulevé tous ses problèmes pour déposer celui-là. En venant te déposer dans sa vie. En venant te déposer dans sa vie. Voilà, attendez. En venant te déposer dans sa vie, là. Le jeune, là, il n'a pas eu la paix. Non seulement avec son beau frère, qui est comme son grand frère, ton micro, et qui tu es sorti. Ils ont commencé à le foutre les bâtons dans, la, dans les roues. Les gens ont commencé à le frustrer avec toi. Les Kifnobit ont commencé à dire qu'ils ont, sont ils sortis et toi. Telle personne a dit ça. Telle personne a dit ça. Le jeune, là, il t'a soulevé. Il a dit oui, non, c'est pour moi. Non, c'est ma femme. Non, je vais l'épouser. Je vais aller la doter. Il t'a doté. Dès qu'il t'a connu, même là. Depuis Arafat et Arafat, on n'a jamais mis mandat d'arrêt contre lui. Il s'est retrouvé dans mandat d'arrêt. C'est ça la même, c'est pas là la même que sa dépression. Parce que quand mandat d'arrêt, ils ont mis mandat d'arrêt contre Arafat, sa cote a commencé à baisser. Arafat fait bataclan, c'est pas c'est pas toutes les femmes même vous voyez les femmes souvent sont jolies elles sont cuites elles sont festes laissez et puis passer. laissez et puis passer. parce que c'est pas dans cuit là il y a la chance c'est pas dans forme là il y a la chance c'est pas dans beauté là il y a la chance tu peux prendre une femme qui est vilaine qui est tordue qui n'a pas bonne forme qui est en is is elle qui a une forme zigzag mais elle est chanceuse elle est chanceuse elle te fait pousser elle te dire qu'elle te pousse pour aller en haut pas derrière mais il y a des femmes tu rencontres dans ta vie là et puis tu trouves les malheurs petit à petit petit à petit jusqu'à où tu as ta rencontre là c'est la mort là c'est ça qui est là parce que une femme que son mari est décédé on lui parle et puis elle dit est-ce que c'est moi elle l'a d'aller se tuer Si les mort c'est qu'il est mauvais enregistrement de ça mais c'est la... même pas le temps où les gens vont voir ton vrai visage, où tu as sorti de ta bouche comme ça que, est-ce si que c'est moi qui l'ai envoyé d'aller se tuer S'il est mort là, tu sais pourquoi tu ne parles pas à quelqu'un <laughs> Je vais même pas parler de ça maintenant, mais je vais mettre ça dans la tête des Ivoiriens et puis je vais dire aux Ivoiriens que je ne mens pas. Moi, quand j'ouvre ma bouche et puis je dis quelque chose là, je ne mange pas. Si moi je dis quelque chose, parce que avant d'ouvrir ma bouche, je veux tous les renseignements, toutes les informations. Depuis trois jours, je n'en reviens pas. Je vais faire direct, mais je n'en reviens pas. Est-ce que c'est moi qui l'ai envoyé d'aller se tuer S'il est mort, c'est parce qu'il est mauvais. C'est toi, Kamen Yao, qui sors ça de ta bouche. Depuis Didier est mort, là, ils sont allés l'enterrer, là. À part le jour où elle est partie faire semblant pour aller déposer Petitflu. Elle ne va, va pas sur, elle va pas sur le, la tombe de Didier. même hein. même pas ses pire. Même sa maman ne va pas là-bas. Ils l'ont déposé là-bas et puis ils C'est que, Elle vit sa vie, elle est dans ses relations, personne ne peut parler. Parce que quand tu vas t'élever, ceux qui sont à Bijan, si quelqu'un a parlé, tu sais pas où tu vas te mettre. L'homme ne peut pas parler. Parce qu'on se dit, t -t en, mais attends, on est là, non. Le pouvoir, là, c'est en train de banqueter. Je ne suis pas politicienne, je ne rentre pas dans ça. Mais moi, tu connais, tu connais, moi ma bouche, je pas valise. Ma bouche se ferme pas. Mon ventre n'est pas balise. Elle se ça à péter dans ma tête, puis elle est déposée, discute pas trop. Vous voyez affaire de Live TV, là. Live TV. Où elle est en train de tourner sa grande mère, là. Avant-hier, elles se sont ramassées pour aller hein, sur la tombe de Didier, pour aller filmer tombe là avec Live TV. Est-ce que vous comprenez, que comprenez quelqu'un qui va pas sur la tombe? De son enfant. Quelqu'un qui va pas sur la tombe de celui qui, a, qui a épousé. Elle, elle et puis sa maman, elle et puis sa belle-mère. Les deux se sont retrouvés sur la tombe avec Live TV, elle est tout ça, pour aller filmer. Elle allait déposer une fausse fleur là-bas. Parce que c'est caméra. Parce que c'est caméra. Je suis là, nous. On est là si vous pensez que je m'en. L'épisode va sortir. Eux-mêmes, ils seront étonnés. Moi. Je joue pas mon affaire d'Arafat. Je ne joue pas avec mon affaire d'Arafat. Elle allait déposer une fausse fleur. Une fausse fleur là-bas. Parce que c'est la télévision. Je dit, partagez le direct. Je dis, partagez le direct. Le son n'est pas bon. Il ne peut pas parler pendant 700 personnes. Vous ne dormez pas, vous êtes là. Abidjan, il fait jouer. Partagez le direct. C'est là, vous allez voir son vrai visage. C'est loin. Que s'il est mort, c'est pas moi que je l'ai envoyé de prendre moto pour aller se tuer. C'est pas les mauvais qui est mort. <laughs> Pas moi, je l'ai envoyé d'aller se tuer, c'est parce qu'il est mauvais qu'il est mort. C'est Kamen Yaou qui a dit c'est preuve à la pu et enregistrement de sa voix à la pu. C'est pas moi qui l'ai envoyé d'aller se tuer. S'il est mort, c'est parce qu'il est mauvais qu'il est mort. J'assume, me dit, j'assume, me dit. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher, que ce que je suis en train de sortir de ma bouche, là, c'est même Yahou qui l'a dit. Moi, retenez bien, le jour où je jure, c'est ce que je dis, je dis la vérité. C'est vrai, c'est pas bon de jurer. Mais quand je suis dans ma vérité, quand je vous dis, je dis que je jure, ne doutez pas, parce que moi, là, je connais le sens de jurer. La vie, la troupe tu pas télé, tu as raconté des choses sur la vie des gens. Sinon, tes mains, quand ça va devenir lourd sur toi, là, tu ne peux pas. Je sais que là, Camen, elle a assise dans la fête de bons types, grand tic dans Abidjan. Donc, si je raconte n'importe quoi, je sais qu'elle peut me poursuivre en justice. Mais ce que je suis en train de dire là, j'assume. Camen dit, ce n'est pas elle qui a tué, dit, ce n'est pas elle qui l'a envoyé pour aller se tuer. S'il est mort, c'est parce qu'il est mauvais qu'il est mort. C'est Camen Yao qui a sorti ça de sa bouche. C'est pour cela que quelqu'un l'a déposé à vie. Elle a d'habitude. Elle ne fait rien, se promène d'ici à ici. Là. Elle ne va pas voir tombe de son mari. Elle pas Saint-Valentin pour chercher, non, pour chercher Zier. C'est ça, c'est elle qui est partie sur tombe de son mari pour aller sur, de, de, de Didier. Il faut même dire Marie. Moi, c'est encore de ma bouche. Elle allait sur Tombe de Didier pour aller se jouer les intéressantes. Live Magazine, tellement vous ne respectez pas la tombe de Didier. Vous cherchez quoi Attends, Didier c'est la seule star qui est morte sur la Terre. Là. Même Michael Jackson, on ne montre pas sa tombe comme ça. Les méga stars qui sont morts, là, on ne montre pas sa tombe. Même même sa même Saga, qui a créé le coupé décalé, qui a régné là, on ne le fait pas comme ça. Qu'est-ce que vous voulez de Didier depuis les mois, là. Attends, j'ai pas envie de, de, de louper celle-là. Bloc, bloc, bloc Ciao. Tu vas aller faire ta poste, tu, ta poste pute là. Et puis ton wallet hein, wallet là, devant là-bas. C'est pas ici. Voilà. Vos vos wallet là. là. Vous allez faire ça devant là-bas. C'est pas, c'est pas sur ma page. Je te vois, je vois un commentaire bizarre. Tu es bloqué. Ça fait trois qui est bloqué des Rien à foutre de vous, que vous soyez, c'est que vous n'êtes pas des vrais fans. Voilà. Vous n'êtes pas les vrais fans. Donc, dégage. Ciao. Ne vous fatiguez pas pour les répondre. Je suis là aujourd'hui pour les bloquer. Ne vous inquiétez pas. Ciao. Si les molles, ce n'est pas moi l'envoyer d'aller prendre moto pour aller au roulis. Le jour où notre place sera déposé sur Facebook, là, vous allez dire aïe. Vous allez dire aïe. Vous allez dire aïe. Moi, toujours quand il parle ici, là. Vous ne croyez pas au départ après vous revenez hey! aïe tu avais raison aïe tu avais raison aïe tu avais raison moi je parle pas pour ne rien dire tout ce que je dis là c'est vérifié c'est vérifié s'il si est mort là c'est pas moi je l'ai envoyé d'aller se tuer c'est parce qu'il si est mauvais qu'il est mort Et puis elle est dans les vieux pères de son grand frère, de son, son, son ce, 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 de Didier. Dans des relations. Elle est dans les petits que Didier a chanté les noms. <laughs> vous ne connaissez rien. Bref. Je dis prenez feu, vous allez noter. C'est Kamen Yao qui a dit ça. Prenez bique, feu, note écrivez. Vous allez revenir vers moi. Quand la note là va sortir sur Facebook. Vous allez revenir vers moi. Je suis venu vous dire ici que la, 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 la 189 kg de langue est sortie avec le frais du monsieur là. Vous ne m'avez pas cru. J'avais dit ça il y a longtemps. Vous ne m'avez pas cru. Aujourd'hui là, je vais déposer notre nom. Moi, je ne parle pas pour ne rien dire. Je ne parle pas pour ne rien dire. Je ne parle pas pour ne rien dire. Si moi j'ouvre ma bouche, c'est la vérité. Je ne cherche pas vue, je ne cherche pas visibilité, je ne cherche pas non, parce que non, là, j'ai ça déjà. Est-ce que vous me comprenez? Allô? Oui, bonsoir. C'est pourquoi, dites-moi. Allez-y. Mm -hmm. vous comprenez non vous comprenez que s'il est molle va se mis une beauté je te fais un gros bisou je te claque le bisou ce n'est pas moi qui l'ai envoyé d'aller se tuer. C'est parce qu'il est mauvais qu'il est mort. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là? Et aujourd'hui, elle s'est levée à Life Magazine pour aller sur la tombe de Didier. Pour aller faire semblant, si on allait tourner, fume si tombe de Didier une manière encore de s'enrichir, de venir prendre les ivoiriens par l'émotion, parce que vous allez voir, ils sont en train de préparer ça. C'est vers la fin de l'épisode, vous allez voir, vous allez la voir sa belle-mère en train de tourner un cinéma, un film à la con, devant la to tombe de Didier. Les gens, ils ont trop mal. Donc je suis venu vous dire ça. C'était hier. Uh -huh. Voilà. Moi, je ne parle pas pour. Les... Non, ce n'était pas hier. C'est avant-hier. Hier, là. C'est un autre groupe qui est parti. Hier, là. C'est les euh, holos, là qu'ils ont envoyés là-bas. c'était pas... Hier, là. C'est un autre groupe. Voilà. C'est pas. Elle est partie avant-hier. Ça fait quoi deux, deux, trois, Quatre jours. ou Quatre jours, oui. Aller faire du cinéma sur la, 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 la tombe de Didier. Jusqu'à sa maman même là, elle allait déposer un pain, un peu pour entourer. jean la, la comédie quoi. Bref, je suis venu vous dire. Je suis venu vous dire ça. Dans la vie, là, on respecte la tombe. On respecte la tombe. Dit Arafat, là. Ils sont en train de se foutre de lui à un point. Où, où, où je suis là là je ne sais même pas où me mettre. Ah! Fatou Kui queen D'accord. Ce que tu as vu là, c'était il y a quatre jours, peut-être qu'elle a reposté. Aïe! Elle n'a pas mis sur les réseaux parce que c'est un film. Donc, ton mari et moi, tu as été chercher l'argent encore dans fait des films. Encore, vous cherchez l'un dans faire des t-shirts. Vous encore, vous allez prendre live TV, c'est-à-dire que pour protéger son intimité. Parce que là où il est couché, c'est son intimité quand même. C'est son intimité. Vous allez partir déposer ça dans la télévision. Les gens n'ont qu'à rêver ça tombe. Moi, je viens casser le papo ici. Peut-être qu'elle a cassé le papa, ça l'a découragé. Je ne vais pas mettre ça dans les, dans les émissions. Là. Et nous, on les regarde. On a six patins, on les regarde. On a six patins, on les regarde. Mais le juge va déposer notre vocal là-ici, là. L'enregistrement là, là-ici. Où elle est en train de sortir ça, L'homme qui est rentré dans mon téléphone, me dit, ah, yeah, tu avais raison là. Je vais te... C'est que finalement, il a été insulté, non? Tu n'as plus jamais m'appeler. Parce que quand on vous parle, là, vous ne croyez pas. Quand on vous parle, même si vous n'êtes pas sûr, ne dites pas que Aya, tu mens. Je suis une fois venu dans ta vie pour jouer dans le bon bien pour mentir. Je suis une fois venu mentir ici. Je suis une fois venu inventer un truc que vous avez vérifié, ce n'est pas vrai. La fille là. avant qu'elle va, vous allez savoir même que elle est enceinte. Je suis venu dire ça sur Snap, non? D'autres sont venus me dire non, c'est faux. Elle n'est pas enceinte. Dès que vous avez, elle a mis, elle a mis sa photo de grossesse. Elle est dit en même temps, ah yeah, tu avais raison, comment tu as... Je ne suis pas vos camarades. Hein. Moi, quand je dis quelque chose, là, je, moi, avant d'ouvrir ma bouche pour dire quelque chose, je ne raconte pas n'importe quoi. Parce que je sais où ça peut m'emmener. Si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai mal. C'est parce que ça ne se dit pas. Peu importe ta coller avec les gens, tu ne sors pas ça. Tu ne dis pas que c'est pas moi qui... pas Il est mauvais. Il est mauvais, puis toi, il t'a fabriqué. Il est mauvais, puis tu zoopes dans son argent. Il est mauvais, puis tu es là, tu, 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 tu roules dans les grosses voitures à son nom. Il est mauvais, puis tu couches tu chez couches son vieux père. Tu veux qu'on parle Il faut continuer. On ne te connaissait pas. C'est à cause de lui on t'a connu. On ne parle pas comme ça. C'est qu'il a entendu dans mes oreilles, là. je ne suis pas pressé pour toi. Le moment, le moment venu, je vais te déposer ça. Bye. Et puis je tourne le dos. Il ne faut pas que quelqu'un m'arrête dans mon téléphone et me dise, Eh, aïe, tu as parlé, je n'étais pas cru, oh. Aya, tu as parlé, je t'ai pas cru. Voilà. Et fait, comment elle s'appelle La sœur qui dit la je ne comprends pas ton ton message là. Queen, quoi là Je ne comprends pas ton message. Tu parles de quoi en fait Et Tu ne m'énerves même pas, je te bloque tout de suite. Je n'ai pas besoin de toi ici. Voilà. Je te bloque tout de suite si tu me refais un commentaire de ce genre. Tout de suite, vite fait, bien fait. Je revois ta tête avec un commentaire ce genre et je te bloque. Voilà, moi, on ne vient pas faire des commentaires désables. Si tu veux parler, tu restes dans ta gorge et puis tu t'assois dans, ta, dans ton salon et puis tu ouvres ta gueule et puis tu parles ça là-bas. Ne Venez pas m'énerver ici. Vous pensez que vous, la mode à dédier, ça vous fait pas mal C'est parce que j'ai mal que je parle. Pas, il n'est rien pour moi. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Eve. Je ne l'ai jamais vu. Si vous voulez, ce n'est pas mon parent. Si vous voulez, ce n'est pas mon mari. Voilà. Ce n'est pas mon mari. Mais j'aime mal parce que Didier, je l'aime. Vous qui ne l'avez jamais aimé, là, c'est vous qui êtes longtemps à raconter vos bêtises. Affaire de vieux père, quand il n'y pas, j'augmente toujours le volume. Le moment va arriver. Elle s'est suppressée. On ne se presse pas dans la vie. Je ne comprends pas ton message, là. Celle qui dit elle va confirmer tcho, Hein? Comment s'appelle la cuine? Je ne te comprends pas trop, ma chérie. Tu parles de quoi en fait? faut bien écrire. Elle va confirmer, tu vois, là, je ne comprends pas. Dis-moi un peu. Tu comprends? Vous comprenez? Tout se passe ici, ici bas. Tu parles de qui, ma chérie? Parle ton français là, bien écrit, bien, on va, on va écouter. Elle parle de qui, la fille là? Elle parle de qui? Je parle de Kamen. Ah. Vous comprenez, non? Ah, d'accord. Vous comprenez? La fille là, vous allez voir son vrai visage. Je ne vais pas vous dire. Est-ce que depuis elle est sur Facebook, là, depuis elle est sur Internet, depuis, est-ce qu'une fois, une fois, elle a adressé un petit message à la Chine pour dire Ah, la Chine, merci pour tout le soutien que vous avez apporté à mon mari. Merci pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Merci, 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 merci. Jamais. Elles s'en fous de votre que Elle est venue là. C'est de réussir. Deux jours, là, comme on parle pas, elle va venir filmer T-shirt parce que c'est l'argent qu'elle cherche. D'accord, ma grande, c'est j'ai compris. Si, si, j'ai compris. Elle ne vous a jamais, veut que elle vous a jamais. Beaucoup que vous, vous ouvrez vos bouches pour la défendre. Là. Mais, même un petit message, hein. La Chine, c'est vrai aujourd'hui, Didier n'est plus là. Aujourd'hui, je, je vous adresse un mot pour vous dire merci pour tout l'amour que vous avez eu envers Didier. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci. La fille, elle n'a jamais fait de message. Ce n'est pas sa femme, ma chérie. C'est une plaisantine. La fille n'a jamais fait de message. La fille n'a jamais fait de message. Elle a couru. Parce ben qu'elle sait qu'il y a une personne qui l'a prise comme ça, qui connaît toute sa vie. Donc elle a couru pour aller s'accrocher à Emma là-bas. Là, demain, quand ça va péter, peut-être Emma va la défoncer. Je ne sais pas en fait. Là, au moins, elle va savoir où déposer son pied. Elle est très mauvaise. Quand je parlais ici-là. Je me rappelle à l'époque, ma grand sœur Lolo Boté, comme on était dans un petit discours. Ça revient toujours. non un petit discours-là. Elle disait, euh, laissez-la tranquille. Mais la grande sœur elle-même, elle a vu son vrai visage. La grande sœur Lolo Boté, ma... c'est pas parce qu'on a fait l'appel à Lolo Boté. Vous connaissez le Boté, elle s'en fout. Elle n'a pas peur de quelqu'un. Voilà. Elle n'a pas peur de quelqu'un. Ça, je le confirme. Mais pour moi, souvent, demander pardon, ce n'est pas une faiblesse. Elle a vu qu'on n'était pas des méchantes personnes. On était des personnes vraies, on voulait son bien. C'est pour ça qu'elle s'est excusée. Son Lolo, là. Elle est moins lolo que moi, Lolo, comme moi, regarde son visage. là. Elle est née en octobre. Je pense qu'elle est scorpion. Voilà. Mimi, confirme-moi. Parce que c'est mon moi aussi. Moi aussi, aussi, née en octobre. Je pense qu'elle est scorpion. Ma gosse, Mimi, confirme-moi. Je pense qu'elle est scorpion, je parce que je sais que Lolo est née le 16 octobre, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, elle est née le 16 octobre. Parce qu'à l'époque, quand je suivais Lolo, c'est tout le hein, temps, je, je, je l'aimais parce qu'on est du même mois. Et puis, à, à chaque moment de son anniversaire, je mettais des tout pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Si je ne mens pas, Lolo Beauté est du 16, 16, octobre, 16 octobre. Et je sais qu'à partir du 16 jusqu'au 31, c'est scorpion. A partir du 16 du 31, je pense bien que c'est scorpion. Donc nous, les scorpions, on n'a pas appelé quelqu'un. Si on doit se vendre, comme vient dans ces vins. Mais après, on passe à autre chose. Non, à partir du 16 octobre jusqu'au 11, je pense bien, à partir de... Même plus que 16, même avant le 16, je pense qu'à partir de, du 10 ou jusqu'au 11 novembre, c'est scorpion. Jusqu'au 11 novembre, c'est Scorpion, ce je pense Jusqu'en novembre, en fait. Ah! Voilà ma grande qui confirme. Oui. Voilà. Donc, Lolo n'a pas peur de quelqu'un. Donc, ce n'est pas parce qu'on a fait la paix, Lolo. Qu'aujourd'hui, elle a parlé de Kamen. C'est parce qu'elle a vu son vrai visage. C'est parce qu'elle a vu son vrai visage. Elle a dit c'est, ben, et puis elle est passée à autre chose, voilà, c'est parce qu'elle a vu son vrai visage, elle a dit c'est, ben, et puis elle est passée au chaussé, si je sais, me trompe je pense qu'elle est née le 16 octobre, je sais plus, à l'époque, je sais plus, je pense c'est le 16 ou bien, je sais plus, entre le 16 et le 11 ou bien, je sais pas, mais ça doit être le 16, si je ne me trompe pas, le loboté. Je, je retiens bien sa date là, parce qu'elle m'avait énervé au moment là qu'on était en palabre là, j'avais enlevé ça dans ma tête, mais je, je pense qu'elle est née le 16. Bref. Elle a vu son vrai visage. Les gens même qui sont à côté d'elle ont vu son vrai visage. Je ne comprends pas une chose, hein. Je parle comme ça, papa. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Moi, je suis une affaire. Où. Un moment là, la femme de Tonton micro quand elle venait à Abidjan, là, parce que moi je la suis sur Instagram, la femme de Toton micro là. Je ne la connais pas, on ne s'est jamais dit bonjour ni bonsoir. Mais j'aime tellement son teint, j'aime sa façon d'être dans son coin. J'aime sa façon d'être dans son coin. Donc je la suis, tout s'est fait et je suis Instagram, je suis tout. Mais faites la remarque, parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué. Donc ensemble, on va analyser. La femme de Toton Miko, cest à que la femme de Moïse, l'ex-femme, la mère de ces deux jolis enfants-là. Un moment, quand elle est venue, elle était avec Carmen Yao. Elles sont même allées au bibi, dans le coin de Fabrice à Saouniou. Elles sont allées là-bas. Mais je pense bien que, si je ne me trompe pas, la dame, l'est est à Bijan, mais elle n'est pas avec je, 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 je suis, c'est fait. Et j'ai même tout à l'heure, je suis allée sur son Instagram. Je suis allée sur son Instagram. Et je la suis sur Insta. Voilà. La dernière fois qu'Amen l'avait identifié sur Snap, je l'ai ajouté. Je pense que son Snap est privé. Est privé. Je la suis sur Instagram. La dame là. J'aime bien son teint, son petit chic teint là. J'aime bien. La maman des enfants de Mori là. Mais, là, là, la dame là, je pense qu'elle a Abidjan. Hein. Je pense bien qu'elle a Abidjan. Mais je, ne l je vois qu'elle n'est plus avec elle. Toutes celles qui ont été auprès d'elle, tous celles qui ont marché avec elle, au bout d'un moment, tu vois que les personnes n'ont se retiré d'elle. Tu vois que les personnes n'ont se retiré d'elle. Tu vois que ces personnes n'ont se retiré d'elle. fait là Je ne la déteste pas, hein? Mais j'aime la vérité. Je n'ai rien contre elle, mais j'aime la vérité. Je ne la déteste du tout pas, franchement. Moi, je déteste pas mon prochain. Je ne la déteste pas. J'étais son premier. C'est que sa première, du moins, sa première défenseuse, moi. Il était la première défenseuse de Carmen. Mais il a vu son vrai visage. Tout ce qu'elle cherche, c'est la célébrité. C'est de apparaître Sinon, une femme qui a marié une mégastar, même si c'est d'autres, doit rester dans son coin. Tu ne te mélanges pas dans les bêtises. Là, là, j'ai parlé la dernière fois d'affaire de Ratna, là. Et eh, Ratna, eh, je dis Ratna. Elle eh, est fat, là. Là, là. Eh, là. Elle est pu un, un ambassadeur se sont entendus. Ils sont, ils sont allés déposer. Mais c'est que ça va envoyer par là. Parce que maman, Tina n'en va pas accepter son t-shirt qu'elle est en train de vendre. Elle eh, est fat aussi qu'ils ont envoyé là. Et c'est que ça va envoyer discours. Direct, va se passer encore ici. Je suis sûr. Je suis sûr. L'homme noir qu'on voit là, là qu'on se méfie de l'homme. Tant que tu vis sur cette terre, il faut vivre à fond ta vie. Il faut vivre à fond ta vie comme tu peux, parce que l'homme est mauvais, l'homme est méchant, même l'homme que tu as marié, l'homme qui te donne des enfants, même là, tu sais pas c'est quel genre de personne. C'est quel genre de personne. Quand on va parler, les gens vont dire non que tu la détestes, tu la détestes. Est-ce que c'est normal? De ne pas respecter la dépouille de ton mari. De ne pas la respecter. C'est que toi, Tina. Toi, maman Tina. Tu vas aller à cause de quelle vue, à cause de quel ziée tu cherches, je ne sais pas. Vous allez partir parce que vous cherchez l'argent de Live TV. Parce, pour, parce que vous cherchez la film que vous tournez, c'est l'argent qu'ils vont vous donner. Bon, allez faire gratuitement. Vous-même, envoyez le caméraman, ils vont aller filmer gratuitement. Pourquoi attendre Live TV pour aller filmer la dépouille de ton mari? et de ton enfant. Ces films là que vous attendez pour vous êtes parti filmer pour montrer quoi Sinon ça là tu peux faire ça gratuitement. Tu peux faire ça gratuitement. Pour Vanessa me fait mal elle même Vanessa là, celle qui a qui a mis Didier dans tout ça là, la mais laissez ça là. Laissez ça là, c'est ça mis Didier dans tout ça là. C'est elle qui a perdu sous soulever Didier. La fille l'a venue déposer dans la vie de Didier. Voilà. Et puis, depuis là, tout se passe, elle parle pas. Si tu t'as posé question, elle n'ouvre pas sa bouche pour parler. Tu lui demandes, elle va faire, on dirait qu'elle n'est pas au courant de quelque chose de façon. Attends, elle sait tout. C'est pour elle-même là qu'on fait. C'est qu'elle l'a chauffé ma tête, Je ne sais pas où elle me met. Vous avez vu, de jouer, il l'a déposé sur Snapo. Il ne la charge plus. Il l'a déposé. Le jeune va parler pour défendre Didier là. C'est là, la mot, et puis elle, on va, on va recommencer à parler. Je l'ai déposé Parce qu'elle ne peut pas comprendre ça. coûte de Didier, toi, Vanessa, on t'a connu. Parle. Un peu. Souvent, là, tu vas aller avec Vanessa. Hein? Tu as appris. Elle va dire Hé. Eh. Ah bon Je ne sais pas. Attends, je vais aller vérifier. Entends, oh, essaie. J'en suis, on t'a trop demandé ton ventre et tes valises. La fille, elle entend de prendre ton ami pour faire très, 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 Tu ne t'étais pas. Tu ne t'étais. Ma chérie, le, le 12. Hey, c'est mon souhait. C'est mon souhait. Parce qu'aujourd'hui, Vanessa Féchon ne parle plus, euh, parle plus avec Kamen. Euh, Il you n'a know, qu'à nous expliquer pourquoi les deux ne se parlent plus. Vous savez pourquoi vous ne vous parlez plus. Vous savez pourquoi, toi, Vanessa, tu sais, soit le papa cache le papa. Didier, là, c'est lui que tu as connu. Kamen, c'est qui Ça fait des années que tu le connaissais. Vous êtes mes gars pensés, vous êtes marché pieds nus ensemble. Souffrir ensemble, et puis tu as rendu grand. J'ai dit mon français, là, prenez ça comme ça. S'il y a dit souffrant, souffrant, prenez, mais moi je suis là. où je, je, je suis pas, je connais le français Là, je suis pas dans ça. T'as raté là, c'est ça qui est pour moi. Vous avez compris, vous avez compris. Vanessa qui la connaissait. Qui connaissait Vanessa chaud? Dites-moi. Je l'aime bien. J'aime beaucoup Vanessa. Mais son comportement où elle parle pas là, c'est ça là je n'ai pas aimé. Vanessa, tu n'es pas née Bobo. La fille qui n'est pas née Bobo là, c'est toi. Mm -hmm. Pourquoi tu ne parles plus à hein, même que tu as attrapé dans les funérailles? Tu n'arrêtais pas de. cest à que toi et puis vous étiez comme ça. Vous êtes suivis pour aller faire les lourd travaillements. Pourquoi vous ne vous parlez plus On veut savoir. ça, Pourquoi aujourd'hui vous ne vous parlez plus Et puis Kamen s'est retrouvé en se réconciliant avec Emma Loès avec que tu ne parles plus. Pourquoi elle s'est ralliée à Emma Loès pour te nager Pourquoi Écrivez pourquoi, s'il vous plaît. Elle va venir lire. C'est comme on directeur, je vais envoyer le lien là dans son snap là-bas. On a besoin de savoir. Qu'est-ce qui se passe? Venez nous dire. Parce que ce petit, camarade, petit amusement de, 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 de petit fâchement de, 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 entre nous, camarades là. Ça ne peut pas envoyer Carmen dans la en fête fait, chez Emma Loulou. Ça ne peut pas envoyer Carmen chez Emma Loulou. Elle s'est retrouvée chez Emma Lolo. Pourquoi Dans quel coup tu ne parles plus avec elle Attends, non, ton ami, ton frère est mort. Tu dois être auprès de Kamen. Pourquoi de Rafna, tu n'es plus à Rafna Pourquoi tu prends plus Rafna en photo Pourquoi Rafna n'est plus avec ta fille qui est ma jolie princesse que j'aime beaucoup Pourquoi Pourquoi Écrivez pourquoi Parce qu'on veut savoir. Hum, Arafat, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour quelqu'un quelqu seul. C'est pour tout le monde. Vanessa, pourquoi vous êtes retrouvés dans l'anniversaire la, dans de Maman Tina et puis tu n'as pas parlé à Carmen? En tant que nomma Carmen, c'est toi qui l'as présenté à un truc. Pourquoi? Quand vous mettez pourquoi là, mettez point d'interrogation à côté. Mettez point. Mettez Vanessa, pourquoi? Il faut qu'elle nous explique. Ben, on a bien de savoir. Hein, nous, là, on a bien de savoir. Ça, là, c'est pas firage. Moi, en fait, je dis, là, il ne fait pas firage de ça. Je parle avec mon cœur. Je parle avec mon cœur. Il y a quelqu'un qui dit, quand même et moi, Lolo, à son idole. Mais avant, ce n'était pas ça. hein. Avant, ce n'était pas ça. Hein? Avant, ce n'était pas ça. Pourquoi? Donc, je suis venu vous dire, la famille, je suis venu vous dire que Tom de Didier Arafat, la mort de Didier fait est devenue commerce pour Carmen et puis Tinao. La mort de son enfant, là, c'est devenu commerce pour eux. C'est devenu chercher l'argent. Maintenant, là, ils ont fini à faire des t-shirts, là. Ils ont fini à faire des, se promener, vendre les voitures, là. C'est sur la tombe, maintenant, ils sont arrivés. Ils restent un peu, avant vont creuser la tombe pour enlever tout ce qui est sur lui, là. Pour aller vendre ça aussi. Je ne sais pas si c'est des junkies, je n'arrive pas à comprendre. Donc, voilà ça. Ils, Arafat n'est pas la seule star. Arafat n'est pas la seule star. Même Michael Jackson, on ne va pas filmer sa tombe pour faire émission. Parce que la dépouille, on la respecte. Moi, je suis, fa je suis une fan. Donc, une fan peut aller prendre photo sur Tombe. Une, une fan peut le faire. Une fan. Moi, si c'est une fan, un fan, un chinois, ça ne me dérange pas. Mais vous, les parents, c'est vous qui devez avoir plus de douleur que nous. Là. C est pour vous, ça devenu de l'argent. Au moins, même si vous partez interne, seulement partie montrer la tombe de Didier sans parler d'argent sans parler d'argent ok sans parler d'argent ok mais là là ça devient devenu affaire d'argent hein? parce que quand ça a passé sur la TV, là c'est l'argent donc tu vas aller filmer la tombe de ton enfant pour mettre dans la télévision pour chercher l'argent Donc, je suis venue vous dire ça. Demain, là, je vais revenir encore avec d'autres. C'est chaque jour un peu, un peu. La personne qui ne parle pas dans cette histoire, et quand tu vas lui demander, elle ne elle pas, elle est soude. C'est Vanessa. Vanessa là, quand on parle, là, elle fait, on dirait, elle est soude. Elle n'a jamais existé même dans la vie de Didier. Elle fait on dirait même que elle-même, elle ne elle connaît même pas la personne qui s'appelle Kamen. Quand tu lui parles, elle dit Ah, hein. et puis je te reviens, hein. dans trois jours, c'est là elle revient. Vous te dis, ah, quand tu dis que moi-même, là, j'ai dormi après, ou je sais pas où. Ah, c'est ce qu'elle fait, la fille, là. Donc, elle n'a qu'à venir nous dire. Ou bien si elle, 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 elle soutient aussi, il n'y a pas de problème. Si elle est suit aussi, il n'y a pas de problème. Donc, elle n'a nous dit À fait de Didier un mot, là, c'est devenu une commerce. Il n'y a plus de douleur. C'est devenu commerce. Si, si, c'est devenu une commesse. Donc voilà un peu. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Qu'aussi il est mort, c'est parce qu'il est mauvais qu'il est mort. Ah, on peut faire ça. Est-ce que c'est moi, je l'ai tué Est-ce que c'est moi, je l'ai tué C'est parce qu'il est mauvais qu'il est mort. Je vous le jure. Est-ce que c'est moi je l'ai tué? C'est parce qu'il est mauvais qu'il est mort. Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique? Si ça pète même les dépose. Non, il n'y a, 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 mmh. a pas de pause publicitaire aujourd'hui. Il n'y a pas de pause publicitaire aujourd'hui. Il n'y a pas de pause publicitaire de pommade aujourd'hui. Quand il n'y a pas de Didier, il y avait pas trop fait de publicitaire de pommades. Voilà. La seule chose dont il a parlé, c'est ses t-shirts. Les pommades, vous savez déjà. Je pense que j'ai vu même euh, la patronne à jus d'orange qui vous a mis des informations. Donc, si vous voulez, là, vous connaissez déjà le thème même s'exprime. Il a pas post pause publicitaire dans fait de, Il n'y pas montré a pas de pommade dans des de Voilà. Il a pas post pause publicitaire. Désolé pour ceux qui veulent pause publicitaire. Si on doit faire post publicitaire, c'est pour les t-shirts FAT. C'est pour les t-shirts FAT. Oui, c'est normal. C'est normal de ne pas croire. Mais le jour, où vous allez croire là l'homme qui va venir dire, aïe, tu avais raison, je t'insulte. Tu m'appelles, aïe, tu avais raison, je t'insulte. Bien bon, bien propre, il continue mon chemin, il n'y a pas de dans ça. Donc, partagez le direct, là. Il faut que vous partagez le direct. Voilà. Il faut partager le direct. C'est mon but, là. Mon but, là. Hein? Mon but. Quand ils vont voir le direct, ils vont voir que les Q est dehors. Ce qu'ils ont réservé pour la fin, pour le film, là, ça sera mort. Ne baladez pas la tombe de Didier dans vos bêtises. Ne baladez pas la tombe de Didier dans vos bêtises. C'est tout ce que moi, il peut dire. C'est mon parent, ce n'est pas mon parent. Je parle d'affaires, ce n'est pas mon problème. Vous-même, là, vous mettez votre bouche en tout. Toi qui viens commenter, là, c'est ton problème, puis tu viens commenter. Comme un imbécile qui m'a appelé tout à l'heure. Vous avez vu à gauche, avez Il n'a rien à dire. Toi, un garçon, tu es bateau comme ça à une heure du matin. Une heure du matin, tu viens prendre ton téléphone pour m'appeler. Tu ne peux pas dormir pour aller travailler, mais tu ne travailles pas en France. Ici. Vous, qui avez, vous qui avez une vie, que vous ne vous mêlez pas de la vie des gens. Si quelqu'un en train de se mêler de la vie des gens, vous passez vos chemins. Tu regardes pourquoi? Vous êtes des affaires. Bateau sans payer. Mais quand l'homme parle, c'est là que vous allez venir dire que quoi, et puis quoi, et puis c'est quoi, et puis c'est mamie, c'est l'autre, c'est rivet c'est... Cra... Je ne sais pas. Vous avez essayé d'appeler, appeler par rapport à... On appelle ça quand même prendre Les t-shirts. Moi, là, c'est que je peux faire pour Didier, là? C'est ce que je fais, là, là. Si je dois venir dénoncer tout ce qui se passe, je viendrai vous dire, parce que vous n'allez pas savoir. Donc, dites-moi plutôt merci. Voilà. Oui, affaires, point, comme c'est mon travail ça. Dites-moi, merci plutôt oh, de venu dit que Moi, je n'a jamais menti. Ou. Moi, tout ce que il dit ici là, c'est vérifié. Tout ce que je sors de ma bouche, même dans suisse ou tout est vérifié. Je ne parle pas pour ne rien dire. Tout est vérifié. Voilà. Donc, partagez au maximum. Attends, il y a encore combien de partage? Non, mais l'homme est mauvais. L'homme est mauvais. L'homme est méchant. Un point. Si ça me permet, il y a mettre la note. Les amis, cherchez l'argent pour vous-même. D'accord, demain. Demain, demain, demain. Il n'y a pas de souci. Cherchez l'argent pour vous-même. Je ne déteste pas Caméno. Je vous jure que je ne la déteste pas. Je vous jure. Que je ne la déteste pas. Mais je suis juste contre tout ce qui se passe. Je vous jure que son amitié avec Emma l'Ouest ne me dérange nulle part. Mais l'amitié qu'elle elle fait là, c'est par rapport à quelque chose qu'elle allait se sécuriser là-bas. Il faut que vous le sachiez. Je vous dis que cette fille n'a jamais aimé Didier. Et puis c'est normal. Et puis c'est normal. Aujourd'hui, là, si ce n'est pas nous, on vient parler. Moi, je viens vous casser les papos souvent sur l'affaire de Didier là. Vous pensez que qui va venir vous expliquer? Rafat n'est plus là pour vous dire. Telle personne m'a fait ceci, telle personne m'a fait. Donc pourquoi ça vous étonne? Lui-même, là, quand il vivait là, tout, tout la journée, il vous disait un peu ce qui se passait. Vous avez vu deux fois, elle a trompé. Il a mis. Vous avez vu ce que sa maman a fait. Il a parlé de ça. C'est pas moi qui ai un problème avec sa famille. Mais c'est ce que sa famille a fait dans son dos, là. C'est ce que je vous explique. Oh. Je n'ai rien contre eux. Oh. Mais c'est la vérité que je vous dis. Je ne les déteste pas. Je vous le jure. Je n'ai rien contre eux. On n'est pas en palabre eux, moi. Voilà. On n'est pas en parlable, eux, moi. Voilà. moi. J'aime tes affaires, mais souvent tu ailles sur nos côtés. Comment tu peux dire un garçon à une heure du matin fait quoi sur la lit? Non, 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 non. Euh, comment il s'appelle? Mon frère, Diara. Il y a un gars qui m'appelait tout à l'heure, là. Il a voulu me parler d'une manière. C'est de lui et Vous avez vu, il était au téléphone et puis j'ai coupé. Non, c'est de lui et parle. Sinon, on est tous affairés. Il voulait me faire genre la leçon du moral. Il dit, mais toi-même, je parle de lui. Toi-même, tu veux faire la leçon du moral. Tu cherches quoi sur... Tu direct déjà à 1h du matin. Sinon, on est tous affaires, ça n'a rien à voir, mais ça, ce n'est pas un affaire, c'est un fait, c'est une vérité que je suis en train de dire, je ne suis pas en train d'affairer, je ne suis pas en train de faire des affaires. je suis en train de parler aux Chinois, je suis en train de confier un truc aux Chinois, je suis en train de dire ce que se passe dans le noir, que les Chinois ne savent pas, que Dieu a fait cette tomber dans ma main, je suis en train de vous dire, et j'assume, tout ce qui va arriver, j'assume. Même si c'est demain, Ali, le code se comporte mal, je viendrai si vous dit. si demain, euh, D'autres personnes se comportent mal Je viendrai si vous dit Tout ce qui concerne Arafat Si y a la trahison Je viendrai si vous dit Même si c'est un lot qui, qui fait quelque chose de mal Que j'essaie de vérifier Je viendrai si vous dit Ça n'a rien à voir seulement avec Kamen Je parle seulement d'eux Parce que c'est sur eux Que ça, ça, ça retombe à tout moment Yves Djédjé Est-ce qu'à un moment là, Il était avec les Kamen là Mais aujourd'hui là Je suis venu vous, 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 vous dire Ce qu'il faisait Son affaire Ce qu'il fait En train de faire t-shirt Il a parlé de ça mais lui, est-ce que j'ai problème à lui? Mais je dis ce qui est juste. Bado, là, je n'arrête pas de dire merci à Bado ici. Mais dans ce direct, il a cité son nom parce qu'il était au cimetière là-bas. J'ai cité son nom. Pourtant, souvent, je lui dis merci pour ce qu'il fait. C'est un petit de Didier. C'est un petit que Didier a aimé. Je comprends, vous comprenez. Mais je dis parce qu'il les a suivis à aller au cimetière, à aller filmer, à faire de live magazine. Moi, je veux qu'on respecte la dépouille de mon président. Ça n'a rien à voir avec quelque chose contre eux. Quand même, elle peut balader son séquille en bas de là où elle veut. C'est pour elle. Moi, j'ai pour moi en bas de moi, je balade où je veux. Mais je voulais juste qu'elle respecte les uns Vu que elle, vous dites que je ne suis personne pour lui dire ça. Il n'y a pas de souci. c'est parce que j'aime Arafat. Sinon, si je n'aimait pas Arafat, je n'allais même pas me mêler de, de la vie. Et quand on se pose, on se qu'à chaque fois que me parle d'Arafat, ça a le cœur. Je ne viens pas chercher non-visibilité, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Je cherche pas visibilité. Si c'est visibilité, je cherche à y parler de Rihanna. Je vais venir vous parler de Jay-Z, il est venu vous parler des gens, il est venu vous parler, mais non. Voilà, vous voyez à tout moment quand je parle de Didier, là, je vous parle avec le cœur, ce n'est pas affirail, ce n'est pas tantant, non, ça n'a rien à voir, je les déteste pas, je n'ai rien contre eux, mais je, je dénonce juste ce qui n'est pas juste. Mais si c'est les enfants de Didier qui font des choses qui ne sont pas bien, je vais venir parler de ça. Je vais venir parler de ça, c'est tout. Avant de venir sortir qu'elle a dit ça, là, c'est parce que j'ai écouté, ça, ça a été vérifié que je parle de ça. Si ce n'était pas vérifié, je n'allais pas en parler, mes chéris. Parce que je sais ce qui est dans un fait de diffamation. Je sais ce qu'il y a dedans. Donc voilà un peu, hein. Voilà un peu. Moi-même, je n'aime pas qu'on diffame sur ma vie. Je n'aime pas que les gens viennent raconter n'importe quoi sur moi. Pourquoi y a mes lever pour aller raconter C'est que je n'aime pas. J'ai pas fait ça aux gens. Mais c'est ce qui est la vérité que je suis venue vous dire. Demain, vous allez vous asseoir et me dire que j'ai raison. Et puis ce jour-là, j'attends ceux qui vont m'appeler pour me dire Ah tu avais raison. Je vous attends. Parce que moi, je ne parle pas pour ne rien dire. Moi, il y a des gens qui me connaissent. Si vous ne me connaissez pas, là, j'ai plein d'amis dont je vois je cite les noms, comme les Tigol, premier, plein, plein de personnes, là. Les, 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 je ne sais pas. Vous pouvez aller les demander. Vous pouvez aller les demander. Moi, je suis pas quelqu'un qui invente n'importe quoi. Parce que moi-même, ma vie, là, je vous, je vous explique ça tous les jours. Et si suis jamais venue vous dire, ma vie est ceci, ma vie est cela, ma vie est... Non, 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 je ne suis jamais venu vous dire ça, mais, mais, mes chéris. Vous le savez très bien. Moi, quand je viens, je vous explique. Quand dans mon anus, j'ai ouvert mes poils qui sont là-bas, j'enlève et puis les On dit, avant de parler de quelqu'un, il faut, faut parler de toi d'abord. Moi, je ne pas sur ma vie. Pourquoi j'ai... Je... Va droit au but, ma soeur. Eh, Toi, au but là, Julien, tu es arrivé en retard. Bien, tu viens de te connecter. Ah, la belle des belles. Ma puce, merci pour les cœurs. Tu es arrivé en retard aussi. Ceux qui ensuite la laissé les. Laissé les. Elle fait jamais. Ces deux jours-là, comme on a parlé avec ma fête Snap, ce sont des, des Didier. Même promotion de Didier, elle ne fait pas. De vous à moi. Ah ton mari est mort. Il a laissé son album, mais elle parle pas de ça. La maman de Maëlle Aïcha, Diallo, Aïcha, elle est mariée, elle est mariée, elle est mariée légalement. La maman d'Esekel et puis la Suana, les deux sont mariés. Elle aussi, elle est mariée, elle, elle vit avec son homme. Eux, ils ne peuvent pas se permettre de faire la promotion de DJ Arafat parce que. Eux, ils ne sont plus avec Didier. Mais par contre, les enfants de Didier, vous voyez, à tout moment, quand il y a quelque chose qui sort, eh, 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 Maël fait sa, la publicité de son enfant, de son papa, et les deux enfants font la chouana et puis Ezekiel. Ils le font, même si vous ne voyez pas la chouana souvent, mais Ezekiel le fait. Voilà. Mais les parents ne peuvent, les mamans ne peuvent pas se permettre de faire parce que... Ils ne sont plus. Ils, ils, les deux, les deux moments-là ne sortaient plus avec eux. Mais la dernière qui est restée, qu'ils ont fiancée, qui balade son cuir partout dans les rues d'Abidjan, qui prend pas le temps même pour faire la promo de son mari, et puis elle est dans toutes sortes de choses pour se faire voir, là. qui parle même pas de de de, 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 de Airfat, qui ne fait même pas la promotion, qui ne paye pas les CD de son mari pour déposer dans son, son magasin pour vendre. Elle préfère vendre Live Magazine. Hein, elle pouvait vendre le livre de Life Magazine que vendre les CD de son mari. C'est à elle que vous devez aller parler. Parce que nous, là, nous on fait la promotion. Nous on parle de ça. Les gens vont payer là. Moi, il gagne quoi Rien. Mais c'est par amour que je le fais. Donc vous devez savoir que moi, je le fais par amour. Elle, par contre, elle fait ça pour l'argent. Elle fait ça pour l'argent. Elle fait ça pour l'argent. Moi, je le fais par amour. Moi, j'attends rien en retour. Les t-shirts sont à 20 euros. 21,50€, mais, 21, mais je préfère que vous me donnez 20 euros. Laisse 1,50€ multiplié par 100, ça fait combien? 1,50€ multiplié par 100 ça fait combien? Mais c'est moi qui vais payer ça. C'est moi qui vais payer ça. Maintenant, mes attaquantes sur là moi je leur ai demandé de me donner euh, tant, et puis moi, maintenant, je vais compléter tant pour payer. Elles savent, mes attaquantes, je leur ai dit, suis, sûr, là, celles qui, qui font partie de, du groupe là. Je leur ai dit, c'est pas parce que je cherche. Je peux dire, je m'en fous. Mais je gagne quoi dans ça À de Didier Arafat, là, je gagne quoi Je gagne quoi dedans Quand il va avoir son 10$, dollars, vous êtes sûr qu'il a touché ça Est-ce que c'est moi qui est présenté aux yeux du, du monde C'est à sa femme, là. Et puis, à ses enfants, ils vont donner. Mais nous, on ne peut pas faire travail, bien là. C'est parce qu'on aime Didier qu'on continue son combat. Sinon, il n'est pas bien de prendre non nom de Didier. Je peux venir prendre de Lago Pollin et avoir Ben sur Facebook. Même Lago Polin il prend son nom, il est tué sur Facebook. Et puis, moi, on ne me connaît pas en tant que chinois. On me connaît plutôt en tant qu'Aya Robert. Donc, c'est mon nom là qui est connu. Ce n'est pas chinoise là qui fait qu'on me connaît. Qui fait qu me connaît. Hum. Sinon, je pourrais me faire ma page Aya Robert, mais j'ai préféré faire chinoise de la Yorogan. Pour ne pas que le nom de Dizier meure. Tous les jours, je parle. Il n'y a pas un jour, il fait a de direct a pas son de Dizier. Il n'y a pas un jour. On me paye des droits. J'ai ma carte sur ma page là. J'ai ma carte qui est. Quand je mets les sons de Dizier, on me coupe. Facebook me demande que de retirer le son. De retirer le son que je ne suis pas autorisé sinon ils, ils me prennent de l'argent ils me prennent souvent 6 euros souvent 4 euros pour ne pas retirer la le, parce que pour retirer le son il faut supprimer la vidéo donc je suis obligé de payer à facebook pour qu'il fasse passer vous savez combien souvent on me paye on me coupe mais je le fais par amour je n'ai pas besoin de vous expliquer mais j'explique à certaines personnes qui sont bouchées qui ne comprennent pas qui pensent que l'homme est là seulement que j'ai visibilité dans quoi moi je fabrique les gens moi je fabrique l'homme sur facebook ici moi, il y a un bon de, de, de personnes que vous connaissez. Quand on dit Yakaya, quand on dit Lolo beauté on dit DS Collection. Nous, on est connus sur Facebook. Je suis venu trouver Lolo beauté c'est-à-dire en vogue. C'est-à-dire que j'ai commencé mes likes, mais commencé mon dégamage sur Facebook avant elle. Mais elle avait pris de l'an, elle a plus de Je suis venue. Mais aujourd'hui, quand on dit Lolo beauté il y a Aya Robert qui est à côté. Quand on dit Yakaya, il y, y a Aya Robert qui est à côté. Et c'est pour ça que les gens se permettent de prendre notre nom pour pouvoir nous clasher, pour se faire un nom. Donc, moi, je fabrique l'homme. Donc, il y a ce qui. Didier lui-même, il le connaît. c'est qui Quand il dit ce qui, pas pour lui manquer de respect. Mais lui-même, l'artiste même, je le connais. L'artiste même, là, qui est Didier Arafat, en c'est ma personne. Tout c'est Ivan Trésor, c'est mon ami d'enfant. J'ai grandi à Ivan. Ivan Trésor, là, j'ai grandi à lui. Qui encore, vous allez me dire Quelle a dit ceci si, si. Hein euh, Ariel Cheney, je le connais personnellement. On n'a qu'à dire qui encore Tous ceux qui ont fait, tous ceux qui ont fait la fabrique, on n'a pas que c'est danseur, bébé sans os. C'est mon ami, c'est mon frère. On va dire qui encore euh, Même celui qui a. C'est que qu'on va dire qui encore euh, Ali Le C'est mon ami. Donc, vous, vous savez que je ne cherche pas non, c'est Didier. Oh là, je le connais. Vanessa, je la connais personnellement. Donc, je cherche non sur qui, en fait. Je cherche non pour avoir quoi On vient vous, faire, on vient vous parler la vérité. On vient vous dire quelque chose. Je ne suis jamais venu dire quelque chose et puis vous avez vérifié puis ce n'est pas vrai. Aïe hey, Même si mon école, là, mon français n'est pas loin, là, mon intelligence, là, ça va loin quand même. Il faut arrêter au bout d'un moment. C'est des choses qui ne se font pas. Il faut que je vous le dise. Il faut que j'ouvre ma bouche pour vous le dire. Voilà, il faut que je vous le dise, que quand a osé dire que si Didier est mort, c'est parce qu'il est mauvais, elle a dit de sa bouche. Et puis le jour où elle va dire c'est faux, on dépose. Ce n'est pas un débat. Et je viens, venez vous dire qu'elle n'a jamais aimé. Vous-même, vous regardez, non Vous-même, vous ne voyez pas. Vous voyez qu'elle n'a jamais aimé. Vous la voyez faire sa vie. Vous la voyez pour se, bavaner, pour se bavaner. Vous la voyez. Vous la voyez? Je ne veux pas dormir, je ne peux plus. Vous la voyez? Arrête de cacher, de cacher, DS. De ce que tu as écrit, cracher ou bien. Caché. C'est clashé, tu voulais écrire quoi? DS. Moi, je ne clash pas DS. DS, c'est ma grande soeur. DS, c'est ma grande soeur, je ne clash pas DS. DS, on s'est mal entendu, mais elle-même, elle sait que c'est ma grande soeur. Vous voyez un peu. Ben voilà, c'était ce que je t'ai venu vous dire ce soir écrivez, notez ça quelque part. Un jour, vous allez revenir vers moi pour me dire, Aya, tu avais raison. Mais dites-le dans votre cœurs, ne m'appelez pas pour me, me dire ça. Ceux qui doivent m'appeler, là, je les connais sur Facebook. Elle me dit, Aya, tu avais dit, là. Je les connais. Tu dis, elle a dit, mais l'audio elle a pu... Non, on va mettre l'audio, t'inquiète pas. Mais, mais, mais. T'inquiète pas. C'est doucement, doucement. T'inquiète pas. T'inquiète pas, c'est doucement, doucement. Faut même pas t'inquiéter. Je suis venue vous dire ce soir, en fait, en fait ce soir, mais je devais même pas vous sortir ça. Mais je suis venue vous dire ce soir qu'ils sont en train d'utiliser l'âme de, de le, le, la tombe de Didier pour aller mettre dans le film pour chercher l'argent, pour mettre dans le live magazine pour chercher l'argent. C'est ce que je suis venue vous dire. Et puis voilà, ça échappé, j'ai sorti ça de ma bouche. Entendez-moi, je ne devais même pas vous parler de ça aujourd'hui. Parce que, mais c'est sorti, c'est sorti, hein. Voilà. C'est sorti, c'est sorti, hein. C'est sorti, c'est sorti. Je suis venue vous dire ce soir qu'elle est en train d'utiliser. Elle et sa belle sont en train de, Ils ne vont pas suivre la dépouille de Didier. Ils ne vont pas suivre sa tombe pour aller nettoyer, faire quoi que ce soit. Ils ne vont rien faire là-bas. Ils ne vont pas sur sa tombe pour faire quelque chose. Voilà. Elle est dans déjà, ce point ne va papa là-bas. Comme ils ont parlé des films qui vont va, qui va apporter beaucoup d'argent, elle s'est retrouvée là-bas. Aïe, je suis dépassé par tout ce que tu viens de dire. De toute façon, on a supporté Carmen là vraiment. Ah! Fou boal ou kom mwen. E mechon. Ye di, mwen yo ouver ma bouch, ye di, la petite de Ema Loes, la mou, yè pale de sa la. <laughs> le jop mwen pa kru. Men le jop yè depose la. Yon di, mwen yo pale pa pou ne ryen di. Et papa, vous n'avez rien dit. Demain, vous allez venir dire, aïe, avait dit. Diara, faut noter, tu as écrit. Puis tu as dit, demain, aïe, avait dit. Je serai assise et puis je vais vous regarder pour vous dire. Aïe, avait dit là. Je serai là. Les gens ne veulent pas trop monter sur Kamen. Parce que, non seulement, comme vous le savez, c'est une petite fille. Et puis, pour le respect de Didier, on ne veut pas trop salir la famille et tout et tout. Sinon, dans les bonnes, ils savent pourquoi eux tous sont éloignés des gamins Pourquoi eux tous un coup comme ça Pourquoi Olo, qui a été le meilleur ami de ton mari, qui est le meilleur ami de ton ton mari, toi, tu n'es plus elle lui. cest C'est-à-dire que même si on dit, il faut être juste. Parce que, elle, comme elle a dit, elle ne veut pas se mettre en palabre avec tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'elle parlait à biscuits de mer, elle allait se réconcilier. Mais aujourd'hui, Biscuit de mer, parle plus avec elle, non Parce que les gens voient son visage. En temps normal, elle, elle doit se séparer de l'eau. Elle doit interdire oh, au lot de voir son enfant. Elle doit interdire oh, au lot de voir son enfant. Hein? TV3, DJ même, n'est pas venu s'asseoir ici pour parler de ça. Pour dire qu'elle est poulier, elle est les est là Mais après, ils ont essayé de laver un peu parce que c'est une histoire de famille, ça fait honte. Si en temps normal, vous connaissez la vérité. Vous connaissez la vérité, mais vous faites exprès. Vanessa pense juste à Rafna, c'est pour ça, elle. Oui, je sais, ça, je sais. Mais elle n'a qu'à parler aussi à un moment donné. Elle n'a qu'à parler aussi à un moment donné. Vous ça qui était même. Est-ce que vous vous imaginez? Est-ce que vous vous rappelez de ce jour-là même? Aujourd'hui, Dieu l'a pas Vous avez posé la question de savoir le pourquoi. et puis vous allez voir les choses et puis vous allez les trucs. Écoutez, je vais vous laisser. Hein? Voilà, je vais vous laisser. Dis-moi, t'as mangé aujourd'hui. Oui, j'ai mangé ma puce. J'ai mangé, j'ai mangé la cali. Je pas faim aujourd'hui même. Hier, là même, il y a, là là, il y a une, une chic abonnée qui m'a demandé de venir manger. Après, euh, j'étais tellement fatiguée, je dormi, je suis pas partie. Je sais qu'elle est fâchée. Quand je me suis réveillée le matin, j'ai vu qu'elle a essayé de m'appeler. Je sais qu'elle est vraiment fâchée, mais bon, je vais trouver le temps de la rencontrer parce qu'elle a été gentille à m'inviter. J'ai trouvé un, un, un juste temps de la voir. Donc, demandez-lui pardon pour moi. Hein. Ce n'est pas parce que j'avais peur d'elle, c'est parce que j'étais fatiguée. Donc, bonne nuit, mes doudous. Bonne nuit, Fatou. Bonne nuit à tout le monde. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous bénisse. Et puis, voilà. voilà À chaque fois que je dois parler de Didier, je me retrouve dans cet état. Voilà. Bonne nuit. Merci de partager le direct, de partager dans les groupes. Et puis, voyez Carole pour pouvoir intégrer le groupe. Raki, mon amour, ma petite, ma petite pupus. Il faut voir Carole, tu vas intégrer le groupe. Voilà, la belle des belles aussi. Il y a plein de personnes. Raïda. Il faut voir Carole, Kofi. quoi voilà, bon, Vous voyez Carole, vous allez intégrer le groupe. Bisous, bonne nuit et puis que Dieu vous protège hein. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ceux qui m'ont insulté, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. C'est ceux qui sont allés un peu fort dans les commentaires que je bloque. Sinon c'est rien. En tout cas, merci. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Voilà. Et si vous voulez vraiment que Vanessa parle, je pense que rentrer dans son inbox Snap, vous allez l'écrire. Mais si elle ne vous répond pas, là, le jeu va ouvrir, va voir. Vanessa parle. Vanessa parle. Vanessa parle. Vanessa parle. Vanessa parle. Mettez sur vos Snap. Et puis taguez-la. Vanessa parle. Vanessa parle. Ou bien vous m'envoyez. Et puis je poste. <laughs> Il faut qu'elle parle. Il faut qu'elle nous explique ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a un qui même mal insulté. Notre stage vient de finir. Oh, mais laisse-la. Il la, y a la récupérer demain. T'inquiète pas. Il oh, faut même pas t'inquiéter. Moi, je voulais parler, finir. De mon... de... Laisse-la. Il la, y a la récupérer demain. T'inquiète pas. Laisse-la. Demain, bien la récupérer. Je ne suis pas pressée pour elle. Je ne suis même pas pressée pour elle-même. Ah, C'est vous qui êtes pressé. Il la laisse digérer un peu. Je la laisse digérer. Mon grand-père, il y a qu'à la récupéré là. Je sais qu'elle n'a pas encore digéré. Donc, je la laisse digérer. Demain, il la récupère au calme. Demain, il me réveille sur elle. C'est quoi le Snapchat de Vanessa Je vais mettre ça sur Earth, mon Snap. Parce que je ne sais pas si elle veut que je On donne son Snap en... en public comme ça. Je vais mettre ça dans mon Snap. Sur mon snap parce qu'il y a les maîtres, Vanessa à ne elle, elle va dire toi là tu es folle. Toi là tu es folle. Elle va dire quand qui... il commence à dire non mais Marie tu es folle. Hé, hey, Marie as fait des didier des. Non Marie tu es folle. Tous les jours elle me dit ça. Quand il commence à parler dans son il doit dire Marie tu es folle des. Tu es trop folle. C'est tout ce qu'elle me dit puis il passe son chemin. C'est ça fait pitié, tout ça c'est. C'est quoi son snap Aya ah, La nuit rose. Mon snap Yolande si, Voilà, tu as c'est ça, c'est ça les vrais fans elle a partagé le direct en plus est les... Voilà. Merci ma puce, merci pour les cœurs. Merci millions d'euros, merci ma puce Carole c'est qu'à toujours rendez-vous. Toujours rendez-vous, merci beaucoup. Merci. Merci, mes doudous. Eh, hey, dis quoi, Bakito. <laughs> Bakito, tu parles de qui mm -hmm. Tu parles de qui Quand tu dis Bakito, là, tu parles de qui Hein Mwen pak pak iten. Mwen tu pal de Totinidja. Tu pal de Totinidja. Mwen admi la va me tue. Tu pal de Totinidja. Mwen admi la va me tue. Alors, bon, je vais vous laisser mes doudous. Hein. Je vais vous laisser partager le direct. Et puis, euh, ça, doit, ça va arriver où ça doit arriver. Moi, je m'en vais. C'est maintenant vous venez faire coucou. Bisous mes doudous. Hein. Priez pour Didier. On espère que le 12, là, ça va bien se passer. Je suis triste. Le 12, à Pantone, les aigris sont. On Souffre vraiment le 12 la portons nos, notre soutien aussi au gars de Londres. La partager les trucs aussi. Je t'aime tellement, merci. Oh, millions d'euros, je t'aime aussi. Merci, chérie. Il ya un, Elle me met pauvre que tu Et sur la femme malade, elle dit mettre preuve que tu je suis la femme malade. C'est qui ça Qui dit ça Qui dit ça que ta vie Qui dit ça Laisse tout ça là. Attends, il est demain. Tu as passé. Demain, quand il va venir, comme qu'on boue. Machine. Machine boue. Elle va rien comprendre. Je vous aime. À demain. Bonne nuit.